Bonjour, bonjour à tous, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Bon, une vidéo. Alors vous avez, on va encore me dire que j'ai le sourire quand on me voit, mais je sais pas faire autrement. Pourtant, ce que j'avais à vous dire, enfin ce que j'ai à vous dire, c'était pas à l'origine, c'était pas quelque chose de très gai. Enfin, de très gai. Disons que c'était pas. Voyez, c'est toujours le même problème. Enfin, toujours, pas toujours, mais souvent. Hein. Vous avez remarqué que il y a certaines vidéos comme ça qui sont un peu confuses au démarrage. En fait, ce que je me rends compte, c'est que depuis que j'ai installé devant la maison quelque chose que je transporte avec moi depuis bientôt 8 ou 10 ans, 8 ans, au moins 8 ans en tout cas, j'ai installé devant la maison ceci. Alors, vous avez ici Sawaddi. Sawaddi, c'est le signe de la bienvenue en Thaïlande. Et puis, j'ai installé à côté un cœur que j'avais fait en mosaïque il y a fort longtemps. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ça parce que, j'ai encore contacté le fait que j'étais vraiment dans l'impatience la plus notoire et que ça me jouait des tours. Ça me joue des tours. J'ai des amis sur Facebook qui m'ont dit, mais enfin Aurélien, enfin en tout cas une amie qui m'a dit, enfin Aurélien, arrête de te prendre la tête, tu te prends trop la tête, tu te prends trop la tête. Et je lui ai répondu non. Puis ensuite, avec l'honnêteté que vous pouvez me reconnaître sûrement, j'ai fini par dire que oui, effectivement. Je me prenais trop la tête. Je me prends trop la tête avec des choses de l'administratif. Alors, c'est vrai que ce jardin, il est offert, comme je dis souvent, ce jardin est le jardin de l'humanité. Alors peut-être ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est pas dans le sens de la prétention. C'est dans le sens où je ne sais pas l'expliquer, ce jardin. Je ne sais pas expliquer pourquoi j'ai fait ça. En tout cas, je ne sais pas l'expliquer pourquoi j'ai fait ça pour moi. C'est confus, mais c'est aussi confus que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, le jardin, en fait, je vous y invite. Je vous invite à venir me voir. Je vous invite à venir expérimenter ce que je vis ici, à venir vous poser, à venir sentir. Des gens viennent ici, vous le voyez sur Facebook, il y a pas énormément de monde qui vient. Enfin, en tout cas, je ne publie pas, bon, effectivement, toutes les photos des gens qui viennent ici parce qu'il y en a qui refusent. Enfin, il y en a beaucoup même qui refusent. Je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, c'est comme ça. Ils veulent pas être en photo sur Facebook ou sur YouTube. Alors bon, bah, ils y sont pas, hein, voilà, c'est tout. C'est le respect de chacun et dans ce qu'il est, dans ce qu'on est. Je suis ému et embarrassé parce que c'est indescriptible de dire ce qu'il y a ici. Vous voyez, là, je me trouve sur l'axe le plus fort de l'axe où il y a le plus d'énergie. C'est un axe où tout se transforme de façon extraordinaire. Et je vais vous avouer quelque chose. Cet axe, en fait, j'y allais plus beaucoup. Parce que j'étais pris dans l'organisation de la fameuse cuisine que j'ai enfin finie. D'ailleurs, je ne sais même pas si je voulais montrer la cuisine. Et donc, je vais rentrer dans la maison, enfin dans la partie cuisine. Je vais vous montrer. C'est pas encore 100% fini.
Mais en tout cas, elle est bien avancée. Et vous allez voir, il y a cette histoire de mosaïque que j'ai refait dans la cuisine et qui m'appelle à vraiment vous transmettre cet amour, l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour de tout et un chacun, juste pour être en vie, pour être bien, pour être heureux. Voilà. Alors voilà, on rentre dans la petite maison. Donc il y a la partie commune là, donc où on peut s'installer tous ensemble. Là, bon, je l'ai un peu transformé pour faire mon bureau pour travailler hier. Et alors c'est ça. Voilà. Hier, je me suis mis à retravailler. Et en retravaillant, eh bien, en fait, j'ai eu des appels pour me dire, bah Aurélien, j'aimerais faire ça chez toi. Et là, je me dis, mais prends ton temps. Voilà. Prends ton temps, juste prends ton temps. Et accepte les choses telles qu'elles sont et prends ton temps. Alors voilà la nouvelle cuisine. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment c'était. Tout en inox. Voilà. C'est facile à nettoyer. Et alors, vous voyez ici, les coins étaient difficiles à faire. Et donc, en fait, j'ai fait dans les coins de la mosaïque pour boucher les coins. Et là, on a la même chose avec le coin bleu, et donc je dois continuer ici avec un autre coin ici à travailler, et puis un autre de l'autre côté. Alors je vais faire un jaune et un vert, et puis ici c'est pareil, je voudrais ici faire de la mosaïque dessus. Alors bon, si quelqu'un a été un peu artistique, il pourrait me faire un dessin et moi je pourrais remplir. Enfin, après, il y en a pour des années à faire ça. Alors, des années. En tout cas, il y en a pour quelques mois. Et donc, ce n'est pas forcément nécessaire de prendre autant de temps. Le tout, c'est que ça soit propre et que ça soit agréable. Voilà. Alors, je voulais vous partager ça. C'est encore difficile pour moi. Poser, me poser, ralentir vraiment. Et puis laisser faire encore et encore et encore. En me concentrant sur une autre activité qui pourrait me donner juste les finances nécessaires pour pouvoir s'occuper de mes enfants. M'occuper de mes enfants. Voilà. Parce que moi, spécialement, j'ai pas besoin d'argent, mais... Enfin, j'ai pas besoin d'argent. C'est pas vrai. Parce que, mine de rien, il y a les connexions Internet qui coûtent de l'argent, et puis les remboursements, la voiture qui... Enfin, c'est pas vraiment des remboursements, parce que c'est pas sur le... Vous voyez, c'est toute cette confusion, j'en ai marre. Voilà. Bon, j'en ai marre, mais la vie est belle, et non, je peux pas dire ça. C'est complexe pour moi, c'est complexe de lâcher ça, de sortir complètement du système, trouver un moyen pour laisser faire les choses, quoi. Plus encore. Aller plus loin dans le fait de laisser faire les choses. Voilà, je voulais vous faire part de ça. Bah écoutez, ça y est, c'est fait. Je vous laisse, je vous embrasse. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres choses à vous dire, plus sympas, plus équilibrées, plus tranquilles. Bon, la vie est belle. Je vous aime en tout cas. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.